sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, M. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Mme Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, Mme Nicole Bricq, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, M. Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Mme Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement, M. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, Mme Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative. Le Conseil des ministres se tiendra demain à 15 heures. Je vous remercie beaucoup.